T'as déjà eu une fiancée qui t'avait mis dans la merde de chez merde? Un peu comme cette fatale fiancée alors, hein? Un peu... beaucoup. L'histoire. Place à la vie pas tip-top de Kazushi. Son boulot, c'est de gérer l'imprimerie de son daron. Ouais, mais voilà, en fait, elle est au bord de la faillite. Tellement au bord que, suite à un accident de coupage de doigts, la boîte va couler. Mais au même moment, dans sa vie perso, Kazushi va rencontrer une nana. Grande, belle, sexy. Mitsuko, c'est le nom de la fille. Elle va carrément rendre Kazushi in love d'elle. Mais ça va déboucher sur quoi concrètement? Et c'est quoi aussi là cette histoire de petite cuillère tordue, hein? La magie? Un pouvoir alien? Parce que bon, après c'est gentil, mais pour acheter hein, des petites cuillères. Tu veux des infos? Hakai, que Google Trad m'a traduit en commandement brisé, c'est le nom VO de ce manga, Fatal Fiancé, qui est un one-shot seinen de 2005. Bien seinen, hein, avec un peu de cul inside, hein, faut que je t'avertisse. Pré-publié dans le Iki de la Shogakukan, mag proposant des titres assez alternatifs, ce manga vient de la collab entre Matsuo Suzuki au scénar, qui est un touche-à-tout, écrivain, scénariste, acteur, et Yamamoto Naoki pour le dessin. Yamamoto est un mangaka faisant pas mal, beaucoup dans l'érotisme. Né en 60, assez connu chez nous puisqu'on lui doit des titres comme le fameux Asate Dance, Blue ou bien Je te rappelle demain, sorti récemment. Et juste pour que tu saches, que ce soit Je te rappelle demain, Je chroniquerai sous peu, ou bien Fatal Fiancé, ce sont deux titres parus récemment chez nous via l'éditeur Atelier Akatombo. Ouais, tu connais sans doute pas cette boîte qui développe sa partie manga depuis peu et qui est spécialisée dans la fiction Jap. Concernant Fatal Fiancé, on est sur un ouvrage avec un papier bien dense et épais. Peut-être même un poil trop car c'est pas évident de tourner les pages. J'ai même une petite partie de la colure qui a cédé en fin de première lecture. T'as quelques pages couleur au début, une trad bien solide de Dominique et Franck Sylvain qui gèrent la boîte. J'ai juste trouvé la couverture un peu trop quelconque pour taper dans l'œil des badauds des librairies. Déjà payant un peu plus d'impact. Mon avis? Alors, deux choses avant de commencer. J'ai découvert il y a peu Atelier Akatombo, et je pense que c'est important de parler de leur taf. Normal. Ensuite, tu dois savoir que j'ai lu Asate Dance à la fin des années 90, lors de sa première édition VF, et que j'avais réellement adoré ce titre. Alors, quand j'ai vu qu'Atelier Akatombo proposait deux autres œuvres de Yamamoto Naoki, j'ai voulu tester. Et mon ressenti est... mitigé. Bon, parlons déjà des plus pour moi. L'ambiance est... comment dire... unique. Ouais. Yamamoto est un auteur très singulier, un peu dans la lignée de ce que pourrait proposer un Matsumoto Taiyo. On a un trait nature avec une forte mise en avant des persos et de la ville, notamment nocturne. T'es vite pris dans le trip et tu t'attaches facilement grâce aux multiples détails par exemple. Là où j'ai un peu moins apprécié, c'est dans la manière de raconter qui manque parfois un peu d'explicite. Bon, c'est normal, hein, ça contribue à l'ambiance, mais t'es parfois perdu dans la narration. Heureusement, on retombe tout de même sur nos pattes. Au sortir de Fatal Fiancé, un assez bon one-shot urbain ancré dans le réel, avec un soupçon de fantastique qui pourrait décontenancer certains lecteurs non initiés. Mais qui vaut le coup d'être tenté, hein? Assurément. Quelques conseils? Bon, Asate Dance, hein, une pépite que j'ai longtemps considérée comme un maison ikoku pour adultes. Je te rappelle demain un autre one-shot de Yamamoto Naoki que je chroniquerai sous peu. Et pour rester 100% dans du Yamamoto Naoki, il y a Blue qui fait lui aussi dans le tranche de vie érotique. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire. Fatal Fiancé. Sur ce, je te laisse et surtout, continue de suivre la voie du manga. Ouais, bon je pense qu'un jour, hein, on a tous rencontré une nana hyper attirante, mais si tu fricotes avec elle, tu sais qu'il va t'arriver que des embrouilles. Ah bon, je suppose que pour les nanas, c'est pareil, lourd.